Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tag qui sera le tag et si YouTube était la vie réelle. Alors en fait, tout simplement, sous ma FAQ ou en message privé, quelqu'un m'avait demandé quelles étaient les personnes avec lesquelles j'étais les plus proches sur YouTube, les personnes avec qui je m'entends le mieux et tout, des petites choses comme ça. Donc je me suis dit qu'en même temps, ce serait un share the love, en même temps, ce serait un tag, que j'allais faire un tag et tout. Parce que, ben voilà, je sais plus comment c'était formulé, mais la personne m'avait dit un peu comment. Enfin, pas comment. Mais si. En fait, c'était ça, il me semble d'ailleurs, la phrase. Si YouTube c'était la vraie vie, ben qui aurait été qui parmi les YouTubeurs et YouTubeuses qui existent? Alors, donc, si YouTube était la vraie vie, dans ma famille, il y aurait qui? Dans ma famille, donc forcément, il y aurait. Adeline, Laurie, Allison, Marine, Gwen, Sandy. Donc, il y aurait elle. Après, je ne sais pas quel membre de ma famille ce serait, mais en tout cas, ce serait elle. Donc, je vais mettre leur chaîne un petit peu partout sur l'écran. Voilà, où je pourrais mettre et tout. Parce que ben forcément, on s'est connus dans la chaîne de Collab. Et vu qu'en fait, on a sur Facebook un truc de conversation où on se parle, ben forcément, quand on parle à une, on parle à toutes, ben ça fait que on se parle de tout et de rien, que ça soit des sujets légers ou des sujets graves, voilà, on se parle de tout. Donc ce serait elle, parce qu'au final, on fonctionne vraiment comme une petite famille et tout, donc ce serait elle, ma famille. Laura, ce serait ma sœur, donc en plus, je vous en ai déjà parlé dernièrement, donc Laura, ce serait ma sœur. Mon doudou sur YouTube, ce serait qui? Ce serait Anthony. Anthony, parce qu'il est super sexy. On ne va pas se le cacher, ouais. Déjà. Parce qu'il est sexy. Et puis aussi parce que ça. Enfin, je le connais pas dans la vraie vie. Mais il a l'air d'être quelqu'un de super gentil, super sympa. Et surtout quelqu'un de respectueux. C'est-à-dire quelqu'un qui. Même si par exemple il ne partage pas le même avis que vous ou des choses comme ça, quelqu'un de respectueux, et c'est important pour moi de respecter entre guillemets les avis des uns et des autres, qu'on soit d'accord ou pas, mais enfin pour moi le respect de l'avis des autres c'est quelque chose de très important, et il a l'air d'être quelqu'un de très respectueux, donc ouais, ce serait Anthony, donc ouais, ce serait lui. Et en plus le fait qu'il soit sexy ça n'enlève rien au truc. You are sexy and I know it. Après, parmi mes proches, je mettrais Hélène parce qu'on peut se parler aussi bien de. Enfin, je peux lui parler aussi bien de make-up, vêtements et tout, que de choses plus personnelles. Donc, je la mettrais parmi mes proches. Après, bon, c'est un peu particulier parce que c'est pas vraiment une youtubeuse, mais sur Facebook, il y a Mémé McFly, donc Claire. Et clairement, je la mettrai parmi mes proches, cette fille, parce que je l'aime juste trop, trop, trop. Donc, je triche un peu parce que c'est pas une youtubeuse, mais je me vois pas parler, entre guillemets, de et si YouTube était la vie réelle, sans parler d'elle, même si elle n'est pas une youtubeuse. Voilà. On va dire que comme c'est une abonnée, ça compte quand même. Voilà. Donc ensuite, parmi mes proches, je mettrai aussi Karine. Je vais pas mettre ton nom de famille comme ça sur Internet, mais ouais, je mettrai Karine parce que pareil, c'est une fille, je la surkiffe de ouf. Je veux dire, moi, le jour où je descends en Martinique, obligée, je veux la voir. La fille, je l'ai jamais vue, mais je l'aime plus que l'infini déjà, quoi. Donc ouais, je la mettrai parmi mes proches. Dans mes proches, il y aurait aussi Donouska. Parce que je pourrais lui parler de tout et de rien. Enfin, je la surkiffe de ouf et tout aussi. Ensuite, parmi mes copines, bon, j'espère que je ne vais oublier personne, ce serait bête. Alors non, déjà avant de mettre mes copines, je dirais, si j'avais une meilleure amie, si YouTube c'était la vie réelle, ma meilleure amie, ce serait Cindy. Parce que on se parle tout le temps. On se parle tout le temps. D'ailleurs, Cindy, si tu regardes cette vidéo, tu viens de m'envoyer un message pour me demander est-ce que je suis là.
Donc, je viens de voir ton message, mais je vais te répondre quand j'aurai fini de faire la vidéo. Donc, voilà, si YouTube c'était la vie réelle, Cindy ce serait ma meilleure amie parce que déjà on se parle tout le temps, tout le temps. On a plein de points en commun et puis bref, ce serait Cindy. Je la surkiffe. Ce serait elle. Donc après, je vous disais, si YouTube était la vie réelle, qui seraient mes copines? Mes copines, ce serait déjà pas mal de filles du groupe Facebook Meet My YouTube People. Donc, bon, ça englobe Hélène, mais bon, comme je l'ai déjà mise dans une autre catégorie, mais en tout cas, il y aurait elle, il y aurait Cindy, il y aurait Elodie, donc Ruth Chabine, il y aurait Marie-Lise, il y aurait Lorina, il y aurait Ashuka. Parmi les copines, of course, il y aurait Peg. Kiffing de ouf, de ouf. D'ailleurs, Peg, je la mettrais plus proche copine, oui. Parce que je peux lui parler d'autre chose que de choses, entre guillemets, beauté, make-up. Enfin, ça a déjà été le cas, je veux dire. En plus, on s'est déjà vu et tout, donc voilà. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je dis bien je pense, mais j'ai l'impression d'avoir oublié du monde. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir oublié du monde. Donc pour toutes les personnes que j'ai oubliées, pour toutes les personnes que j'aurais oubliées, je mettrai les noms à défiler à la fin de la vidéo. Et également, déjà je tague toutes les personnes que j'ai mentionnées. Si j'ai parlé de vous, vous êtes taguées. Et pour toutes les autres personnes, je mettrai également à la fin de la vidéo toutes les personnes que je tague. Et puis voilà, voilà, voilà. Donc j'espère que ce petit tag vous paraît sympa. D'ailleurs, si je ne vous ai pas tagué, faites-le quand même, hein. Tout le monde est tagué. Everybody is tagged. Donc voilà, voilà les copains. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye.